On va terminer avec un petit sketch sur, sur mes origines. Ouais. Parce que vous savez que moi, je suis un gamin des cités. Ouais, moi, je suis un gamin de la banlieue. Si, de la banlieue parisienne. Ouais. Si, vous connaissez Paris. Juste au-dessus. Il y a le 9-3, le 9-3. 9-3. Qu'est-ce que tu veux, bâtard? On regarde pas comme ça, toi, je vais te faire du mal. Bon, mais moi, je suis juste au-dessus. Le 8-0. La Somme. Angle Belle-Mer, exactement. Bon, c'est vrai que là-bas, tout le monde dit que c'est un village. Mais nous, avec les copains, on appelait ça la cité. C'est vrai que là-bas, il y a plus de moutons que d'habitants. Mais attention, hein. Il y avait des racailles. Nous, on était des racailles. On était une bande. On était deux. Il y avait Ben, c'était le chef. Et le deuxième, on l'appelait Merde de Champ. C'était moi. Notre truc à Ben et à moi, quand on était gamin, c'est qu'on était des dealers. Ouais. Ouais, on dealait. Ouais, on dealait du lapin. On attrapait les lapins. On mettait un coup derrière la tête. On enlevait le pyjama. Puis on le donnait aux vieux pour qu'ils fassent du pâté. Et en échange, les vieux, ils nous donnaient un coup à boire. Ou bien un billet. Bah, nous, on préfère un billet. Bah, comme ça, on pouvait boire un coup. Une fois, c'est ma voisine. Ma voisine, elle s'appelle Madame Véronique. Elle vient me voir. Elle me dit comme ça, Eric, il y a mes petits-enfants qui viennent. Il faut que tu m'attrapes un lapin. Pas de problème, Madame Véronique. Nous, tout de suite, avec Ben, on part à la chasse au lapin. À 3h de l'après-midi, attrape un lapin. Pas facile, hein. Alors finalement, on a attrapé Patapou. Patapou, c'est le chat, même que là. Oh, mais un chat, tu lui coupes la tête, c'est pareil qu'un lapin. Madame Véronique, elle a rien vu. Oh, puis ces petits-enfants, on s'en fout, c'est des cons. Ah, ben sinon, il y avait un autre truc qu'on aimait bien, Ben et moi. On aimait bien, c'était promener nos moutons en laisse. On leur avait mis des muselières parce que c'était dressé pour tuer. On leur avait rajouté des casques à pointe. Et ce soir dans la cité, on organisait des courses de moutons clandestines. Alors les gens de la cité, ils faisaient les paris, et nous, on lâchait les moutons. Et là, ils se mettaient à courir, ils couraient. Ouah, ils couraient à perdre la laine. C'était un truc de fou. Le plus fort, c'est le mouton de Ben. Oui. Enfin, je peux vous le dire maintenant, il était dopé. Si, il prenait le truc des cyclistes, là. Le PO. Eust, un mélange à Ben. Éther, pastille, jus d'orange. La spécio après, il pétait des flammes. Il pétait tellement des flammes, on l'avait appelé Zip. Si, on l'utilisait l'été pour allumer les barbecues. Bah! À tous les coups, ça lâchait, hein. Bon, attention, hein. On faisait pas que des conneries, hein. Ah non, à côté, on travaillait, hein. Moi, je travaillais dans le bistrot du village. On m'appelait le videur. En fait, j'animais les karaokés. Moi, chaque fois que je me mettais à chanter, hein. Ouais, je vidais la salle. Ben, lui, il était ouvrier agricole. Toute la journée, il conduisait un tracteur. Il avait le plus gros tracteur du village. Il était vert. Comme la gueule des gens qui le regardaient quand il passait. Quand il traversait le village, il mettait la musique à fond. Ah, 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 la gueule. Ouais, trop la classe pour draguer, hein. Et puis après, on a grandi. Puis moi, je suis venu ce que vous voyez ce soir. Je comique. C'est comme ça qu'on m'appelle, Angle Belle-Mère. Éric, je comique. Alors tous les gens du village, ils m'invitent au baptême, aux communions, aux mariages, aux enterrements, enfin, toutes les fêtes de famille. Ouais. Alors on boit des coups, on mange des canons et on fait la fête. Puis en général, vers minuit, 1h du matin, quand on est un peu bourré, il y en a toujours un qui dit comme ça. Hé, Éric,
c'est chiant. Et puis d'un autre côté, avec le métier que je fais, quand je suis loin de chez moi, mon 8-0, il me manque.